Voilà le NFO pour Northern Film Orchestra. Une belle proposition du compositeur Marco Iannello, qui est NFO Chamber Strings Long. C'est une proposition qui est faite à partir d'échantillons de jeunes musiciens qui constituent cet orchestre-là dédié à la musique de film, qui est basé à Londres. Dan Keen avait, je pense, déjà produit un instrument virtuel fait à partir d'échantillons de l'orchestre, mais qui contient aussi les cuivres et les bois, flûte et clarinette, je pense. Et ici, on a uniquement les cordes, mais dans une fonction quand même un peu plus étirée. La proposition, ici, je suis dans le volet contact, donc c'est un instrument qui est disponible en format contact, donc lisible sur toutes les plateformes, PC, Macintosh. Trois propositions, le Strings Long, Long Drone et Lower Drone. Ici, celle que j'ai jouée tout à l'heure, c'est le String, c'est ce qu'on entend, c'est le Strings Long. À l'intérieur de l'accueil, vous aurez accès à différentes propositions, différents éléments qui nous permettent de modifier un peu à bon gré l'écoute du son, ici par la position des microphones. On en a 4, close, stéréo pair, outriggers qui est là, après ça le room pour l'ambiance générale de la pièce. Donc vous avez ici l'onglet qui nous permet de négocier l'amplitude ou la position de chaque élément. Voici close, je vais enlever les autres, voilà. On entend bien effectivement la présence de l'instrument. Si je vais chercher en jumelant celui-ci avec la pièce, enveloppe un peu plus douce puisque le microphone capte l'ensemble des éléments. Donc, vraiment une résonance qui habite le lieu. Donc, vous l'aurez ici par la position des microphones. Après ça, à la droite, on a des filtres. Dessous, on a une réverbération avec le send, pré-délai et le format du reverb comme tel. Et dessous tout ça, on a modulation avec attaque, decay, sustain and release. Vous voyez qu'ici, j'ai une release de 1.2 millisecondes, 1200, donc une seconde et 0.2. Une attaque quand même relativement douce, si je la prends un peu directe. Une attaque un peu plus douce, je vais aller chercher ici, disons, une attaque un peu plus distancée. Une belle proposition qui concerne les cordes. Ici, dans sa fonction Strings Long, je vais aller chercher l'autre, String Long Low Drone. Oh, voilà, on a quelque chose de plus présent dans les graves. Je vais monter un peu l'écoute. C'est impressionnant d'entendre ici le jeu du grain de l'archet, presque un son de contrebasse. effectivement, c'est un son qui évolue lentement, qui prend le temps de placer son ambiance, mais qui est très, très chargé puis très enveloppant. Effectivement, avec l'autre drone, on va chercher avec un côté peut-être un peu exagéré de la, évidemment, de l'ambitus, la nature même de l'instrument, sauf que ça nous donne des ressources vraiment insoupçonnées pour aller ailleurs. Écoutez, hein, ici, il n'y a pas un instrument qui va sonner comme ça. Presque un moteur. Ce jeu très rythmique. C'est une proposition de Marco Iannello. Je vais aller chercher le dernier, le Low Drone. Lower Drone, encore plus grave. J'étais sur la note là tout à l'heure, tiens. Vous avez besoin d'une sonorité qui prend effectivement contrôle sur l'espace d'écoute, intrigante. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est, puis là, vous voyez que plus ça évolue, plus on entend vraiment les cordes. Une orchestre qui est d'une certaine douceur. C'est vraiment fascinant. C'est les mystères, c'est la qualité, c'est la personnalité du système informatique, puisqu'il nous permet effectivement de prendre un élément et de le rétrécir, de l'agrandir, de l'étirer, de le manipuler sous différents onglets, qui nous permettent donc vraiment de créer une écoute complètement différente de la nature même première du son, de sa personnalité. Et c'est bien là l'enjeu du site PianoBook qui nous présente, qui nous propose en fait près de au moins 700 propositions qui sont tout à fait gratuites sous format soit contact, donc comme vous voyez ici, ou encore en conversion dans le format lisible par le Decent Sampler, qui est un échantillonneur, un lecteur en fait, qui a été développé par le compositeur américain David Hillowitz. Et on voit que de plus en plus des gens, des collaborateurs, se chargent de la tâche de convertir la plupart de ces échantillons en format lisible. Parce que ici, c'est pas toujours clair si la version contact de la proposition informatique disponible sur PianoBook nécessite la version contact payante, donc la version complète, ou la version gratuite, version d'essai. Donc, dans certains cas, c'est l'une des raisons pourquoi, puisqu'on souhaite sur le site conserver la gratuité des éléments qui y sont déposés, c'est une des raisons pourquoi, effectivement, on va vers la conversion d'un lecteur qui permet la gratuité complète. Donc, j'espère que cette présentation vous incite à voir, penser, réagir, comprendre la musique différemment. Et peut-être, de façon bénéfique, vous aide à grandir, à augmenter votre bibliothèque de sons, d'instruments virtuels, disponible via la plateforme PianoBook. Vous trouverez d'ailleurs sous la vidéo où vous êtes actuellement toutes les informations pour vous rendre aux bons endroits au pluriel. D'ici là, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite donc une bonne inspiration en espérant vous revoir bientôt. Au revoir!